Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau d'Apprendre ou à laisser avec, comme chaque soir, nos 24 candidats qui, après avoir passé un bon week-end ensemble, vont tenter de se partager la somme de 500 000 euros. Les partage avec vous en trouvant le chiffre du jour compris entre 1 et 5, soit par téléphone au 39 80 ou bien par SMS, en l'envoyant en boîte au 72 500. Un gagnant sera tiré au sort en fin d'émission. Et voici le nom de celui qui a gagné vendredi dernier et qui a partagé les gains de notre camarade. Il a gagné 50 000 divisé en deux, ce qui nous fait 25 000. Tout de suite, pour démarrer, en ce lundi, en souhaitant la bienvenue au public, nous allons appeler notre premier candidat, Computer. Qui va s'asseoir à mes côtés, qui va démarrer la semaine en beauté, je l'espère, qui va tenter le demi-million d'euros. Mélanie, notre candidate de Haute-Normandie. Sublime Mélanie, comment ça va? Ça va très bien. N'êtes pas du tout déçu de voir la totalité de Mélanie. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Mélanie, j'ai 25 ans, je viens de Haute-Normandie, Gonfreville-Lorcher plus précisément, une petite Gonfreville-Lorcher. Voilà, exactement. Très connue. Oui. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. En quoi? Management et marketing international. Fiancée? Oui. On s'en fout. Il s'appelle comment? Pierre. Je vous ai dit qu'on s'en foutait. Il est là. Vous l'aimez? Oh, très fort. Je vais l'épouser. Vous allez quoi? L'épouser? Oui, mais quelle bêtise. Mais quel gâchis. À quoi ça sert de se marier? C'est lui qui est en photo? Oui, il est là. Mais il a 11 ans. Non, 26. 26 ans? Oui. Il est plus jeune que vous? Non. Vous avez quel âge? 25. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 8 ans et demi. Vous n'avez pas eu d'autre homme depuis? Non. Bon, quel intérêt, on se marie pas dans ces cas-là. Mais quelle bêtise. Dis donc. Mais arrêtez de faire ouh là-bas, vous savez que j'ai raison, là. Allez-moi, là, les papiers, les mamies sont foutus depuis 40 ans avec la même femme. Allez, là. Voilà, voilà. Alors, levez la main, les papis qui aimeraient bien une petite jeune de 25 ans. Allez-y. Ah bah, bien sûr, bah voilà, bah voilà. Levez la main les mamies qui aimeraient bien un petit jeune de 25 ans aussi. Bah voilà. Mélanie, à l'unanimité, les doyens du public, hein, ils ont décidé qu'il fallait repousser ce mariage. Voilà. Mélanie, vous avez quelques gris-gris, c'est quoi ça? C'est ma Lilith, c'est mon bébé. C'est ma vie, quoi, c'est mon... C'est quoi ça? C'est quoi ce poil-là? Vous vous êtes épilé? Non, c'est ses poils! Des poils de qui? De Lilith! Mais qui est Lilith? Mais c'est mon petit chien! Vous avez pris des poils de votre clette? Oui. Mais. Virez-moi ça, on va attraper des maladies! Non, je garde, je garde! Qu'est-ce que c'est que ce gris-gris? Bah, ça vient du Mexique aussi! C'est avec tout ça, on gagne pas 500 000 euros! C'est avec la poupée! Bon, regardez en face de vous l'échelle des gains dans les boîtes bleues, les petites sommes dont on ne veut pas! Qui vont jusqu'à 5 000 euros et en doré, on part de 10 000 jusqu'à un demi-million d'euros. Le tour est parti. J'ai envie de dire par celui qu'on surnomme le Georges Clooney des grands-mères. Notre ami l'huissier Jean-Louis. Bonsoir Arthur. C'est beaucoup allez, trop, allez, c'est allez, beaucoup allez, alors on y va Jean-Louis. Merci Arthur. Mélanie, bonsoir. Je vous rappelle que c'est un jeu de hasard. C'est au hasard que j'ai réparti les 24 sommes dans ces 24 boîtes. Je le rappelle tous les jours, mais surtout en début de semaine, c'est important. Très important. Et surtout, Arthur ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. Non, et 500 000 euros à partager en trouvant le chiffre du jour. Par téléphone au 39 80 ou par SMS, en envoyant boîte au 72 500. Mélanie, on est parti pour 6 boîtes. Bonne chance avec tous vos gris-gris. Normalement, vous allez m'ouvrir les 6 plus petites, hein, de 0,01 centime à la soucoupe. On est parti. La 16, Picardie. La Picarde, elle est mignonne Aurélie. Hein. Allez, ouvrez-moi cette boîte. C'est pas possible. J'aimerais qu'on remontre les gris-gris. Alors, on a la poupée, ok? Allez hop. Vous avez vu, la première boîte, la boîte à 500 000, en avant. Non, ça je le garde. Attendez.
Elle arrive avec 4 kilos de porte-bonheur et ouvre la boîte à 500 000. Non, mais vraiment. Allez, boîte suivante, on rigole. Ouais. Allez, la 250 000. La 18, Franche-Comté. La 18, là. Oh, la bomba de Franche-Comté. Aurore, vous êtes belle comme le soleil qui se lève. Vous êtes pas mal non plus. Merci. Vous pensez qu'il pourrait y avoir quelque chose entre nous? Chérie, je t'aime. Hein. Attendez, d'abord, moi, c'est Arthur, déjà. Il faut qu'il y ait un minimum d'intimité avant de m'appeler chérie. Moi, c'est Arthur. Non, mais c'est pour mon chéri qui me regarde, là. D'accord. Allez, on y va. 10 000 euros. Allez, Mélanie, boîte suivante. Où va-t-on? La 7, en Bourgogne. Ah, la bourguignonne. Bonjour, comment ça Arthur. Va, beauté? Ça va très bien, et vous? Sylvia, la petite brindille de Bourgogne. Ouvrez-moi cette boîte. Allez, on y va. Bonne chance. Ah, bah voilà. Mais vous êtes, votre chien est en train de vous porter malheur, là. Ils sont où, les poils? Ah non, bah, attendez, c'est la deuxième boîte, chouchou. Alors, faut pas commencer à pleurer. Bon, bah, c'est vrai que 750 000 en deux boîtes, moi, ce qui serait bien, c'est la boîte à 200 000 tout de suite, et puis voilà, et on se bagarre pour une soucoupe, hein. Allez, tout va bien, vous êtes belle, vous avez la jeunesse. Séchez ces jolies larmes. Enfin, ces vilaines larmes de ces jolis yeux. C'est un jeu, ouh là là, c'est oui, de la télévision, ça changera rien à votre vie. Non, que vous partiez avec beaucoup ça. D'argent ou peu, on s'en fout, on est là pour s'amuser. Boîte suivante. 11 Pays de la Loire. Ah, ça va ma beauté? Ça va, merci. Ouvrez-moi cette boîte. Hé, attendez, pour Mélanie, c'est une petite boîte, 75 000, hein. Boîte suivante, allez, on s'amuse. La 22 Aquitaine. Allez, ça va mon garçon? Ça va bien. On va faire comme si on n'avait pas vu la vilaine coupe de cheveux de l'Alsace. Je la trouve magnifique, moi. Ouvrez-moi cette boîte. 30 000 euros. 30 000 euros, c'est bien. Vous n'êtes pas daltonienne? Non. Vous voyez où est le bleu? À gauche, oui. C'est à gauche. Je vous explique les règles, on ne sait jamais. Le bleu, c'est les boîtes à enlever, pas le doré. D'accord. On y va, bonne chance. Le 2, le Limousin. Le pompier du Limousin, Nicolas. Bonsoir, Arthur. Sympathique, il a relancé la chemisette et ça lui va bien. Mais il est tellement grand, vous mesurez combien? 1m89. Comme moi. Ça? Même quand je suis sur la pointe des pieds, je ne fais pas 1m89, je mesure 1m81. Vous les aimez grands, vous? Oh oui. C'est vrai? Oui. Oui. Pierre fait 1m80. Pierre fait 1m80? Ouais. On s'en fout de Pierre. Est-ce que je vous parle de ma nana, moi? C'est dingue. Vous pouvez. Allez, on y va. Limousin. Oui! 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 Du bleu! Quel événement! Quel événement! Avec le tirage cata que vous nous avez fait, Mélanie, j'ai peur de ce que je vais entendre. Ne décrochez pas. Bonjour. Et vous, votre assistante va bien? Bon, je vous écoute. D'accord. Le banquier vous propose un mouchoir pour pleurer. Ou à laisser. Un, deux, trois, on continue. On continue, vous aussi, pour partager les gains de notre ami. En tout cas, le chiffre du jeu, on s'en par téléphone 3980 ou par SMS. Boîte 72-500, vous connaissez le principe. Et tous connaissent le principe. C'est dans la dernière partie qu'on découvre la réalité de ce jeu. Le destin qu'on dessine. Il reste encore 100 000, 150 000, 200 000 euros. On va aller les chercher. Ouvrez-moi 5 boîtes. Ma copine de Basse-Normandie, la gardienne de vaches. Vous êtes gardienne de vaches? C'est vrai? Oui. Ah bon? C'est la Normandie, hein. Ouvrez-moi la boîte. Allez. Mélanie, tout peut arriver dans cette émission. Oui. Le meilleur comme le pire. C'est un peu comme le mariage. Pour le meilleur ou pour le pire? C'est vrai. Cherchons ensemble le meilleur. La 9, Champagne Ardenne. Ah, la champenoise. Chantal, qu'y a-t-il dans votre boîte? Nous renonçons ensemble à la somme de... C'est pas possible. Je propose que Jean-Louis nous réexplique les règles du jeu. J'ai l'impression que Mélanie n'a pas compris le concept. Mélanie, nous, c'est le bleu qui nous intéresse. Vous voyez ce que c'est le bleu? C'est à gauche. Vous êtes consciente que vous n'avez ouvert qu'une seule boîte bleue? Vous êtes chanceuse en général? Normalement, oui. Ah, bah, que ça doit être quand vous n'avez pas de chance.
J'ai la chance en amour, c'est le principal. C'est exactement. Heureuse en amour, malheureuse au jeu. Voilà. Mais et si on repart avec 150 000 euros? Ça fera un beau mariage. Ah, c'est des sous pour le mariage. Vous l'imaginez comment, votre mariage? Bah, avant de payer le mariage, je rembourserai mon prêt étudiant. D'accord. J'achèterai une voiture. Ouais. Et puis après... Un beau mariage, une belle robe. Ouais. Alors, vous savez quoi? Vous allez me virer du bleu. D'un autre côté, statistiquement, il y a plus de chances que vous ouvriez du bleu maintenant que du doré. Si vous m'ouvrez une boîte dorée maintenant, je me casse. Allez, Mélanie, tenez-vous droite, vous êtes une battante. Où va-t-on? 17, le centre. La région centre. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Vous allez changer de coupe de cheveux? Oui. Ça vous va bien? Merci. Ça plaît aux Bretons? Ça a l'air. Aux Bretons, vous avez passé un bon week-end? Un bon week-end, excellent. Vous avez trouvé l'amour? Toujours pas, j'attends. Moi, si j'étais vous, centre et Bourgogne, Breton en sandwich. Hein? Vous êtes les deux tranches de pain, il fera la merguez. Ouvrez-moi cette boîte. Allons-y. Allez. La Bretagne, le 6. Allez, justement, le Breton. Y a-t-il dans la boîte 20 000 euros. Mince. C'est pas grave, c'est vous pas grave. Vous êtes le DJ, là. Vous n'avez pas donné l'occasion de mettre une chanson plus de 10 secondes. Hein. Allez, une dernière boîte avant le coup de fil du banquier. S'il vous plaît, virez-moi du bleu. Le 3, Rhône-Alpes. D'accord. Ekel et Jekel, ça va les garçons? C'est bien, et vous? Mickaël, il est tout le temps frotté à PACA. Hein. Ouais. Il m'aime bien. Ah, ben c'est normal. Hein. Allez, allez, il n'arrive pas à vous voir dans les yeux en plus. Hein. Non. Allez, ouvrez-moi votre boîte. Bonne chance. 5 000. C'est du bleu, c'est du bleu. Même Arthur. Quand c'est du bleu, c'est la plus grosse boîte bleue. Alors, elle n'est pas prête de voir l'assistante du banquier aujourd'hui, hein, je vous le dis. Oui, je vous écoute. Première offre de la banque, un mouchoir pour pleurer. Deuxième offre, réfléchissez bien, 6 000 euros. À prendre ou à laisser. Regardez cet écran, vous n'avez que 4 boîtes supérieures à l'offre de la banque et 9 inférieures à l'offre de la banque. Bien sûr, 6 000 euros, c'est pas les sommes avec lesquelles on aimerait repartir dans cette émission. Mais c'est la possibilité de rentrer quelque chose. C'est vrai. Vous regardez les boîtes, il y a des chiffres porte-bonheur encore en lice? Ouais. Moi, je sais pas ce qu'il y a dans votre boîte. 23, c'est un chiffre bonheur ou malheur? Pas malheur, pas bonheur. C'est bien. C'est neutre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Deal or no deal? Correlo ou no los correles? No los correles? Comment on dit en martiniquais, à prendre ou à laisser? Nous qu'à prendre et nous qu'à laisser. Et à la québécoise? Tu le prends-tu ou tu le prends pas? Tu le prends-tu ou tu le prends pas? Faut faire très attention parce qu'en France, ça peut avoir une autre connotation. Hein. Ah ben ça, les Français, tu sais, de toute façon, ça pense toujours un peu. Ouais, c'est pour ça qu'on nous aime. Hein. Ah bien c'est sûr. Hein. C'est pour ça qu'on est 60 millions. Le French Kiss. Vous n'êtes que 6, peut-être que vous devriez le faire plus souvent, vous seriez plus nombreux. Ça, c'est vrai aussi, ouais. Ok, qu'est-ce qu'on fait? C'était quoi, 6 000? 6 000 euros. Ah, c'est les sommes comme ça, on les oublie pas. Hein. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, mais... Il faut que j'ouvre combien de boîtes? Après, il faut en ouvrir 4. Ah, bah là, avec toutes les boîtes bleues qui restent, hein, si vous ouvrez 4 boîtes dorées, vous savez quoi? Ouais. Je m'allonge et je meurs. Ah non, parce que ça veut dire qu'il y a un mauvais sort sur le plateau. Pardon? Je continue. Une fois? Une fois, deux fois, trois fois. J'ai eu peur. Suivons la tactique de Mélanie. Et n'oubliez pas, ce n'est pas dans les premières étapes qu'on gagne le Tour de France, c'est dans le col de montagne qu'on fait la différence. Alors, on y va à 4 boîtes. 19, Poitou-Charentes. D'accord. Ça va, ma belle? Ça va bien. Ouvrez-moi cette boîte. Qu'y a-t-il dans la boîte de Sauvagny? 50 euros. Et ben voilà, boîte suivante, on enchaîne, on attend. Le 12, Auvergne. Allez-y, mademoiselle l'Auvergnate. Qu'y a-t-il dans la boîte numéro 12? Allongez-vous, Arthur, allongez-vous. Ah.
Allez, virez-moi du bleu, on va oublier ce carnage. 14, Ben, je rigole nerveusement, hein, parce que là, c'est le pire tirage en 5 ans. Hein. Ah ouais, ouais. Allez, allez-y, Ben Stiller, en ouvrant la boîte de notre ami Guillaume, c'est ça? C'est ça. Allez, on y va, Guillaume. Oui! C'est tellement l'événement quand il y a du bleu. Allez, boîte suivante. La partie d'une blague. Allez, alors qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? C'est quoi le but? Mettez-vous sur le côté. Elle est mignonne comme tout. Allez, ouvrez-moi la boîte numéro 21. Ça, c'est l'effet à prendre ou à laisser. Voilà. Allez, oui. Bah, il reste que les boîtes bleues d'un autre côté. Hein. Oui, je vous écoute. Très bien. 3000 euros. Ouais, j'ai viré la scie. Mais ne m'engueulez pas, c'est pas moi qui fais les offres, c'est le banquier. Monsieur, mais il faut reconnaître que vous avez viré la boîte à 150 000 il y a 2 minutes. C'est vrai. Attention, je vais m'énerver. Peut-être que ce sera la solution pour qu'on reparte avec au moins 50 000 euros. Ouais, faut 3000 euros, regardez cette boîte. Fixez-la bien. 50 000 euros, on prie qu'elle soit là. Ce que je vous propose, c'est que vous réfléchissez tranquillement à cette magnifique offre de la banque. 3000 euros. Et juste après les réclames, nous saurons si Mélanie rentrera dans l'histoire d'apprendre à laisser comme étant la candidate la plus poissarde, ou bien si elle nous réserve une surprise de dernière minute en repartant avec 50 000 euros que vous partagez. Soyez patients, ce sera après la pub. À tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur TF1, c'est Apprendre ou à laisser comme chaque soir depuis maintenant plus d'une semaine. Avec, regardez la beauté de Mélanie. Regardez ses yeux. Regardez ce ramage. Regardez ce plumage. Et regardez ce carnage. Oui, car c'est un carnage que nous fait Mélanie depuis le début de la partie. Elle nous a largué toutes les grosses boîtes. Mais. Et c'est ça que j'aime dans cette émission, il y a toujours un mais. Il reste encore 50 000 euros. Qui n'aimerait pas repartir avec 50 000 euros? Qui parmi vous qui nous regardez n'aimerait pas partager 50 000 euros? On y va, Mélanie? On y va. Est-ce qu'on accepte les 3 000 euros du banquier? À prendre ou à laisser? Non, je laisse. Une fois? Deux fois, trois fois. Je vous rappelle, comme chaque fois que vous partagerez les gains de notre ami ce soir, en trouvant le chiffre du jour, par téléphone 39 80 ou bien par SMS, vous envoyez boîte au 72 500, vous le savez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ce soir, il reste encore 50, 25, 15 000 euros à se partager. Où va-t-on? Midi-Pyrénées, la numéro 8. Dorothée. C'est ça. Ouvrez-moi cette boîte. Oh, encore deux, le bleu. Voilà, numéro 1, Outre-mer. Oh, bonne beauté. Allez-y, j'aime bien quand vous tapez les mains. Oh là là, dansez un peu là, faites-nous rêver, Jessica. J'adore. Dites-moi, vous faites le ventilateur? Non, c'était pas des Antilles. Non, mais vous faites quoi? Je sais bouger. Attendez, bougez la boîte devant vous, rien. On voit de la musique, s'il te plaît, bougez. Attendez, s'il vous plaît. Ça va bien? Super. J'adore cette petite danse, hein. Allez, qu'y a-t-il dans la boîte numéro 1? Magnifique panthère d'outre-mer. Bonne chance, Mélanie. Et, il en faut de la chance en ce moment dans cette émission, hein. 1000 euros, c'est du bleu. Allez. Encore une boîte. La 13, Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, à l'avant. Ah ben, c'est une nouvelle. Comment ça va, Naïma? Ça va très bien, Arthur, merci. Vous êtes belle comme tout, vous rayonnez du mille feux. Vous venez d'où, du Nord-Pas-de-Calais? Je viens de Tourcoing, près de Lille. Vous êtes d'Echenor, vous avez l'accent? Je suis du Nord, mais je suis d'origine marocaine, donc pas trop d'accent. Comme moi? Tout à fait. Vous êtes de l'Afrique du Nord? Exactement. Où au Maroc? De Fès. Fès, mais je connais très bien Fès. On est voisins. Vous êtes mariée? Je suis en concubinage. Avec qui? Avec Davide. Davide? Si. Un Sicilien. C'est un Sicilien? Oui. Un Sicilien avec une Marocaine, les engueulades qu'il doit y avoir à la maison. C'est volcanique. Elle a des magnifiques cheveux. Vous savez que je suis né à Casablanca, moi? Oui, je le sais. Ah, juste avant d'ouvrir la boîte, je vais vous offrir une autre boîte, la boîte de jeu. Magnifique boîte.
pour vous entraîner en famille. Allez, on y va. Il nous reste 7 boîtes à ouvrir. 250 euros, c'est bien, juste avant le coup de fil du chacal. Oui, allô. 4000 euros. Ah ben... 3 à laisser, on peut demander plus. Allô? Passez-le moi, je vais négocier. Vous pas nous donner plus? Ah bon? C'est la première fois que je demande plus, il donne plus. 7000 euros. D'accord. Il se moque vraiment de vous. Hein. Il dit, et il a l'intérêt d'accepter, il me dit. 7000 euros, à prendre ou à laisser. Il y a combien de boîtes à ouvrir? Après, vous n'en avez plus que 2 à ouvrir. Mais en tout cas, on est parti tellement loin. Au jour d'aujourd'hui, on a 3 boîtes dorées, 3 boîtes bleues. On revient de loin, je vous le dis. Hein. 15 000, 25 000, 50 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait? 7000 euros. Je vais continuer, Arthur. C'est vous qui voyez. 1, 2, 3, je continue. Alors, on continue, vous asseyez, vous partagerez les gains de Mélanie en trouvant le chiffre du jour, soit par téléphone, 39 80, c'est tout simple. Ou bien par SMS, c'est encore plus simple. Vous envoyez boîte au 72 500. 2 boîtes, Mélanie. 2 boîtes. On m'a dit que vous étiez têtue. Oui. Que quand vous aviez une idée en tête, on ne vous la enlevait pas. Ça dépend de la personne. Je vais essayer de vous convaincre d'aller chercher les 50 000. Ah bah oui, 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 vous, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? Mamounette. Ah, le 24. La plus grande célibataire de Marseille. J'ai un petit cadeau pour... Pour Jean-Louis? Oui, j'ai un petit faible pour Jean-Louis. Vous avez quoi comme cadeau pour Jean-Louis? Je peux? Montrez-le-moi, on va voir s'il le mérite. C'est quoi? Ce sont des calissons d'ex? Ouais. Merci, je vais les garder. Alors, allez-y, ouvrez-moi cette boîte. Il n'y a pas de raison, vous gâtez, c'est bien. Vous êtes beaucoup gâtés. Mais c'est comme ça Jean-Louis, elle est un peu venue en maison de retraite, elle avait des petits chocolats, des petits gâteaux. Elle est gentille. Non! €50 000. Ah non. Faites passer la papy. Je reprends. Bah, vous avez bien fait de reprendre les poils. Oui. 50 000 euros. Non. Allez, encore une boîte. Oh, le carnage, cette émission. La 10, la Lorraine. OK. Bonsoir, Mickaël. Allez, mon ami. J'ai envie d'y croire. Allez, Mickaël. Allô? Non, mais je peux pas annoncer ça. Oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'étais pathétique, que j'étais minable. Et qu'il avait envie que je reparte avec de l'argent. Et il me propose 25 euros. À prendre ou à laisser? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse. 1, 2, 3, je laisse. Bon ben, je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que quelques minutes pour partager les gains de Mélanie. En trouvant le chiffre du jour, 39, 80 ou par SMS 72, 500. Partager 25 000 euros, c'est pas mal. Et quand on regarde tous les jeux de la télévision française, à chaque fois, c'est 2 000, 3 000, 4 000. Là, il y a 25 000. C'est déjà juste avec 25 000 plus que tous les autres. Virez-moi du bleu. Allez, on y va. Une boîte. La 5, Île-de-France. Allez, mademoiselle. Bonsoir, Arthur. Bonsoir, Ondine. Oui. 100 euros. Oui, allô. J'écoute votre proposition. 26 euros. 1 euro de plus. C'est un cauchemar. À prendre ou à laisser? Ouais, il n'y a pas photo, là. Bon, écoutez, si on essaye de prendre le positif de notre situation, il reste 25 000 euros. C'est une grosse somme. Alors, on va aller les chercher. Ouvrez-moi une boîte. 15 ou 4? Vous avez gardé vos deux boîtes préférées. C'est quoi, 4? C'est ma maman. Et 15? C'est ma Lilith. C'est la chienne? Oh, le Klebs encore, là. Moi, je comprends même pas que vous ayez un mec avec votre relation avec votre chien. Il l'aime autant que je l'aime. Elle dort dans la même chambre que vous? Oui.
Elle dort pas dans le lit. Elle dort pas dans le lit. Et quand vous faites des bébés, elle est à côté? Oui, ben je suis pas mariée, donc j'ai pas encore goûté. Non. Non, je plaisante. Eh. Non, ben elle dort, elle dit rien. Elle dort. Oui, quand oui. Vous... Elle habituée, elle dit rien. Bah, tant qu'elle participe pas, c'est déjà ça. Ah non, participe pas. N'importe quoi. Allez, on y va. Faut que j'ouvre une boîte, là. Votre mère ou la chienne? Ça va lui faire plaisir, votre mère, que vous hésitiez. Ouais. C'est ce qu'elle m'a dit avant que je parte. Elle m'a dit, si tu gardes Lilith et moi, il y aura dilemme. Mais une maman, on n'en a qu'une. Exactement. Je fais des gros bisous. Alors que les chiennes, hein. Non, mais c'est ma maman, c'est elle qui m'a portée. Oui, c'est, elle n'a pas fait que vous porter, vous savez. Elle vous a porté, élevé, aimé. Oui, oui. Alors que Klebs, vous l'avez aimé, oui. Choyé. C'est vrai. Mais il finira par clamser. Allez, où va-t-on? 15 ou 4? Bah, je vais garder ma maman. D'accord. Donc? Donc, on enlève le 15, pays francophone. La québécoise, en ouvrant la boîte de notre amie Mireille. Nous renonçons à la somme de... Ça va bien aller. Oui. Eh ben... On revient de très, très loin. Et j'ai envie d'y croire. Oui, allô. D'accord. Échange de boîte. Mais quel chacal! Depuis que vous lui avez dit que c'était le chiffre de votre mère, ce fumier tente de nous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pensez que la boîte qui est en face devant vous, qui porte le chiffre 23, vous porte change depuis le début de la partie? J'ai envie d'y croire. Parce que qui aurait cru au vu de ce tirage cata qu'on en arriverait là? Si vous pensez que le chiffre de votre maman, c'est le 4, si vous pensez que c'est devant le candidat corse que se trouvent les 25 000 euros, alors peut-être qu'il faut les changer. Vous êtes seul juge, c'est votre libre arbitre, et c'est à prendre ou à laisser. Je vais changer ma boîte, Arthur. Vous êtes sûr qu'on n'est pas en train de se faire piéger par le chacal? J'y vais? Ouais. Bah, et pourquoi vous pleurez? Quel que soit le contenu de la boîte, non, non, je pleure c'est pas, une formidable déclaration d'amour que vous venez de faire à votre maman. C'est vrai. Regardez-la, elle est là-bas, elle s'appelle comment? Anita. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anita? Que je l'aime. Bah, il ne faut pas se mettre dans cet état. Tenez, séchez vos larmes. Vous êtes sûr? Arrêtez, Arthur, oui, je suis sûr. Vous êtes sûr? Oui. Vous l'avez dit trois fois, là. Je sais pas ce qu'il y a dans les boîtes. Je sais pas ce qu'il y a dans les boîtes, chérie. J'aimerais tellement vous aider. Je vous donne la boîte 23. Vous pensez qu'ils étaient dans votre boîte, les 25 000? Ouais, ils étaient dedans. Ah, l'intuition corse. Vous venez de récupérer la boîte numéro 4. En priant qu'il y ait 25 000 euros dans cette boîte, j'aimerais qu'on termine avec un beau sourire et pas des larmes. D'accord. On est parti, mais avec un tirage, mais... effrayant, j'ai envie de dire. Et finalement, on se retrouve avec deux possibilités. Un centime d'euro, la pire des boîtes, et 25 000 euros. Jusqu'à la dernière seconde, vous avez conservé votre boîte. Vous venez de l'échanger en prenant le chiffre qui correspondait à la date de naissance de votre maman. Le oui. Jour de naissance. Le jour. Le jour de naissance. Et vous souhaitez que vous souhaitez l'échanger avec le candidat corse, ben c'est l'heure de vérité. La question qu'on se pose tous, hein, je pense, aussi bien les candidats, le public, que nos téléspectateurs ce soir. Avons-nous assisté au tirage le plus, j'ai envie de dire, désastreux de tous les temps ou finalement la chance triomphe sur la fin? Allez, sans koukaï. Vous m'attendez? Mélanie! Dans la vie, et je vous rappelle que notre jeu, c'est pas la vie. Hein. Non, c'est notre vrai, jeu, c'est, vrai. C'est 40 c'est minutes vrai. De votre vie, une parenthèse où vous avez rencontré des amis, vous c'est êtes vrai. Amusé, vous êtes passé à la télévision, mais ça ne changera rien. Non, qu'il y ait 25 000 ou pas dans cette boîte, ça ne change rien à notre destin. Je le rappelle parce qu'il ne faut pas mettre trop de,
faut pas se mettre trop la pression quand on joue sur ce plateau. Ce n'est qu'un jeu et ce n'est que de la télévision. C'est vrai. Et dans la vie, je le disais, il y a les jours avec et les jours sans. Et aujourd'hui, Mélanie, je suis désolé de vous l'annoncer, on pourra dire que ça aura été un jour sans. Vous aviez les 25 000 euros et vous venez de les échanger à l'instant. On s'est fait planter par le chacal. Je suis désolé. Je vous fais un gros baiser. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Hein. Je vous l'ai dit, ça ne change rien à une vie. Hein. D'accord ? Vous êtes belle, vous êtes jeune. Allez, salut vos camarades. Ils sont émus pour vous, le candidat corse. Quant à moi, je suis écœuré. Mais alors, écœuré. Mais vous connaissez les règles, c'est ainsi. C'est le Grand 8, les montagnes russes. On est passé à ça. Les 25 000 euros. Vous pouvez vous entraîner, vous inscrire, participer sur tf1.fr car le jeu continue et on va essayer de se retrouver demain pour conjurer le mauvais sort. Bonsoir, à demain.